Et salut à tous les amis, c'est AgoraCityLis. On se retrouve pour un deuxième épisode sur Tomb Raider Underworld. Et j'espère que ça, la série vous va autant vous plaire que moi j'aime bien ce jeu. Donc ici, si vous vous souvenez du dernier épisode, Lara est tombée dans une petite embuscade lorsqu'elle a récupéré un des gantelets de Thor sur ce piédestal. Et malheureusement, en partant, les malfrats ont... D'accord. Même bug que Dying Light. Les malfrats ont fait sauter une bombe, ce qui fait que tout s'est écroulé. Et on ne peut plus sortir. Il faut donc trouver un chemin alternatif. Mais avant cela, j'avais fouillé cette salle. Oula. Ouais. Voilà. Bon, c'est tout ce, vu que c'est tout ce qu'il y avait, moi je sais où partir de toute façon. Les événements du jeu me reviennent petit à petit en tête. La mouillure. Bon, ici aussi c'est écroulé. Oh, il y a des pots. Ah, il est là. Bon. Cette salle me rappelle tellement une salle dans Tomb Raider Légende. Hop. Encore et toujours des secrets. Bizarrement quand même. C'est un bug. C'est un bug graphique, le point noir que j'ai vu. Bon bah j'ai raté la relique apparemment. C'est dommage, à mon avis j'ai raté tout plein de trucs. Oh. C'était pas ce que je voulais faire mais bon. C'est malfrat. Allez, allez, allez. C'était débile comme plongeon. Oui, bien sûr. Je suis passé devant, n'est-ce pas? Ouais, je suis passé devant. Vous voyez, je suis doué quand je veux. Hein. Enfin, c'est pas grave, des fails, ça arrive à tous les youtubeurs possibles. Même tout le monde, on va dire. Pas que les youtubeurs. Mmh.
pas toucher une méduse, ça fait très mal. Allez, remonte-toi à la surface. D'adrénaline dans la place de cette paye. Bah ouais. Voilà, fouillons un petit peu avant de nous aventurer autre part. Pourtant j'ai essayé d'être discret le plus possible, je sais pas comment ils font fait pour me voir. Mais bon. Elle est toujours là? Je sais pas si vous avez vu, mais sur la caisse, il est marqué Natla. Si ça vous rappelle rien, bah franchement, je sais pas ce que c'est. Alors là. Elle est là quelque part. Oui, je suis là. Oh!
très mal, mais ça gère. Aïe! Je joue à ça, hein. Aïe, 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 aïe. Un petit peu de soin parce que je vais pas tenir longtemps. Du swing, du swing, du swing. Là. Voilà. Bocal n'offre que peu de distractions. Et je prends donc grand plaisir à regarder Amanda se débattre en recherchant la même chose que toi. Jacqueline Nakla, vous ne savez pas vous arrêter, on dirait. Toi non plus, il me semble. C'est vous qui avez parlé d'Avalon à Amanda. Le temps presse. Choisis tes questions judicieusement. Que savez-vous au sujet de ma mère ? Le socle que vous avez trouvé au Népal fait partie d'un réseau de transport. Il l'a emmené à Avalon. Mon père pensait qu'Avalon se trouvait ici, mais c'est Niflheim. Quel est le rapport avec les Nordiques? Ah, Richard a trouvé le mauvais au-delà nordique. La mère n'est pas allée à Niflheim, mais à Helheim. Où est-ce que c'est? Je te le révélerai un jour. Mais il te faudra alors le marteau de Thor pour y pénétrer. Tu le retrouveras peut-être. Ton père lui avait déjoué. Que voulez-vous dire? La réponse se trouve sur la côte ouest de la Thaïlande. Le 17e parallèle. Donc, pour savoir qui c'est Jacqueline Natla, je vous invite à regarder Tomb Raider Anniversaire. Et pour ceux qui se demandent qui est Amanda, je vous invite à regarder Tomb Raider Légende.
Voilà. C'est fermé, c'est peut-être ça peut s'ouvrir. Le bateau est en train de couler. Ça c'est un fail de ma part, je vous l'avoue. Allez. Que c'était mouvementé, vous ne trouvez pas? Bon, j'avoue que je n'ai pratiquement rien pété pendant l'évacuation, mais bon. Vous savez comment je suis. Je suis pas fort en commentary. Et voilà. Elle est tenue légère parce que voilà, Thaïlande. Voilà quoi. Mitraillette. Oui. Je ne chipote pas. Et on y va. On ne peut voir aucune des ruines d'ici. Si mon père a bien exploré ce site, je n'en vois pourtant aucune trace. Je ne vois toujours pas le lien entre la Thaïlande et les Vikings. Sans parler des ruines de la Méditerranée ou même d'Avalon. C'est simple, Zip. Différents mythes utilisent différents noms, mais ils se réfèrent tous aux mêmes vestiges du monde antique. Un de ces vestiges est toujours actif. Amanda passera un sale quart d'heure si Natla se libère. Ouf, on passera tous un sale quart d'heure. Alors, explorons donc cette, ce magnifique paysage qu'est la Méditerranée. Oh putain, regardez-moi cette eau bleue. Cette belle... Ça me donne pas envie de faire un petit plongeon et de prendre des petites vacances. Au bord de la côte ainsi. Hop là. Ah ! Direct, je me fais attaquer par des requins, quoi. Narmol. Ça, c'est la sortie du niveau. Ah!
vitesse. Excusez-moi, mais j'ai mal au nez, mais je sais pas ce qui se passe. J'ai toujours quelque chose qui va pas. Hop là. Des araignées. C'était beau ça. C'était beau. Mouvement de ninja pour écraser une araignée, ça c'était vraiment beau. Ah franchement bien joué Lara, tu m'as donné du rêve. Chef. Ça gratouille, ça chatouille, ça me bouche. Ah oui, j'avais pas rêvé. Il y a bel et bien un secret qui se cache là-bas. Ah oui d'accord. Je comprends pourquoi j'ai raté mon coup. Hop. Hachoum. Les araignées. Voilà, on n'en parle plus des araignées. Faites-moi la paix, sale bête. Sale bête. Ah, ça c'est un immense fail. Immense, immense fail. Oh. Bon, je vous retrouve là-haut après cette petite ellipse. A tout de suite. Re les amis, je ne suis pas arrivé tout au-dessus, mais j'ai trouvé l'autre secret en question. Il se trouve là, juste là en dessous. Donc j'avais pas totalement rêvé, il est là. C'est le secret qu'on a vu à un moment donné, en mode furtivité. Hop. Et voilà, maintenant on va continuer à poursuivre notre ascension là où, je suis tombé comme une grosse merde. Hop là. Hop là. Voilà, on y est presque. On va bientôt devoir se laisser, mais je vous laisse pas sans avoir récupéré ce secret. No comment. Ah.
Voilà. Allez. Hop. 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 Allez, écartez-vous les plantes vertes. Qu'est-ce que c'est ? Un gros chat ? Un gros chat qui m'attend quelque part ? Ouais, manifestement, je crois qu'il y a un gros chat qui m'attend quelque part. Voilà, c'est sous ces ruines que nous allons nous quitter. Donc, sur ce, si vous avez aimé, vous savez quoi faire, mettez un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge avec un commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et si vous faites des fous, sortez couvert et prenez soin de vous. C'était Agrastilis pour Tomb Raider Underworld. Bye tout le monde!